Troisième plus haut gratte-ciel de France et première tour de nouvelle génération, InCity n'est pas une tour comme les autres. Dès 2014, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, propriétaire et futur occupant de la tour, avait déjà souhaité fortement travailler sur la qualité de vie au quotidien. Angie Coffelli avait dès ce stade participé aux réflexions et aux recommandations pour que la tour soit conçue et construite en adéquation avec les usages attendus. Fin 2015, la tour InCity est livrée autour d'une vraie philosophie de vie et d'exploitation. BeInCity. Dans un souci d'amélioration continue, un an plus tard, en 2016, une nouvelle démarche pionnière est lancée. Mettre en place une solution BIM exploitation. La solution retenue fait converger les données du bâtiment, occupation des espaces, température, luminaire, ventilation, alerte technique, opération de maintenance, avec sa maquette BIM, au sein d'une plateforme full web développée en interne, BLM. L'avatar numérique est maintenant disponible, source de multiples services. Le processus de BIM exploitation ayant été mis en place suite à une construction sans BIM, la maquette BIM a été modélisée selon les besoins de l'exploitation. On y retrouve l'enveloppe de la tour, l'architecture, le mobilier, le CVCD, la plomberie, les luminaires, les sondes et les capteurs. À chacun de ces équipements sont associées les informations utiles au propriétaire et à l'exploitant. Les données se contextualisent en temps réel sur la maquette BIM. L'ensemble des données temps réel sont également accessibles depuis une cartographie 2D dynamique pour une autre forme de visualisation. Il a également été rendu possible de visualiser en un clin d'œil l'occupation des espaces, ce qui est utile pour optimiser les prestations de ménage ou le taux d'occupation par exemple. La mise à disposition de tableaux de bord pour chacun des assets permet in fine de visualiser facilement et rapidement les indicateurs pertinents. On y retrouve toutes les données d'exploitation ainsi que leur historique. Enfin, l'ensemble de la documentation technique est également hébergé sur notre plateforme BLM, véritable outil au service de l'asset management. En quelques clics, un accès transparent aux opérations de maintenance est mis à disposition des utilisateurs et notamment aux propriétaires de la tour.